Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 octobre. Il nous fêtons Saint-Luc, évangéliste. À l'exemple de Saint-Luc, je demande au Seigneur la grâce de faire naître en moi le désir d'annoncer avec audace la bonne nouvelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons le chant « Viens, sois ma lumière » interprété par Golshare Damghani, avec des paroles de Mère Teresa sur sa mission. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Et d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes. C'est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville vous entrerez et vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Je contemple Jésus qui donne les consignes pour la mission. Il la compare à un champ prêt pour la récolte. Pour un agriculteur, la moisson est l'un des moments les plus intenses de l'année. Face à la nécessité de travailler, Jésus ne dit pas aux disciples « Faites plus ». Il les appelle à prier. Il les convoque à la foi. Je médite cela. Les disciples sont invités à partir en étant vulnérables, sans sécurité matérielle. Ils doivent, légers et sans encombre, entreprendre leur chemin sans s'attarder en route. Et moi ?
Qu'est-ce que je suis appelée à lâcher pour continuer à avancer? Qu'est-ce qui fait obstacle à mon désir de suivre Jésus dans sa mission? La paix est toujours à offrir, à chacun de choisir s'il veut la recevoir ou la rejeter. Il ne s'agit pas d'imposer ou de convaincre, mais de témoigner de la proximité de Dieu. Jésus apprend à ses disciples à être dégagés de la pression du résultat pour rester attentifs à la rencontre. Dans mon milieu, quel aspect particulier je voudrais transmettre de la bonne nouvelle ? Lors de la deuxième lecture du texte, je prends place au milieu des disciples, prêts à être envoyés. Je réécoute la parole que Jésus leur adresse. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville vous entrerez et vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Je parle à Jésus comme à un ami. Je lui exprime ce qui m'habite à la fin de ce temps de prière. Je lui offre mon désir de participer à sa mission.
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.